L'industrie du granulat, l'industrie du béton, c'est un secteur entier qui est en train de faire sa mue. Je suis Benjamin Le Cendrier, je suis directeur de la production granulat et DJV pour Cemex France Nord. Notre priorité au départ, ça a été la transformation digitale sur le commerce avec Cemex Go. Aujourd'hui, on est sur un deuxième volet qu'on dédie beaucoup plus à la production, à nos outils de production. Et on avait à cœur de développer un modèle. Ce modèle chez nous, il s'appelle la carrière connectée. Sur une carrière, il y a énormément de choses qui se passent. Ça génère des données qu'aujourd'hui, on exploite pas ou peu, parce que historiquement on n'avait pas les bons outils pour générer ce volume de données-là. Nos collaborateurs ont besoin d'outils, ont besoin de modernité. Je m'appelle Benjamin Benaroche, je suis un des fondateurs de Dolaire. De plus en plus, on voit des capteurs embarqués sur casques, des drones qui survolent des sites de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, qui vont venir collecter des millions et des millions d'images. Et bien nous, chez Dolaire, on va aider nos clients à mieux collecter cette donnée, à mieux l'organiser et à mieux l'analyser pour en tirer des informations qui vont transformer leur process industriel au quotidien. Dolaire justement proposait cette solution de plateforme, cette capacité à générer beaucoup de données, à les restituer avec une interface qui est ergonomique, qui est simple et qui est à la fois hyper bien étudiée pour le métier du carrier. Des calculs de profil, des calculs d'altitude, des calculs de cubature avec des interpolations diverses et variées, différents calques en vue 2D, en vue 3D. Dolaire offrait toute cette souplesse dans sa solution et également offrait toute une foultitude de services adossés à sa plateforme. Donc c'est ce côté un petit peu package qui nous a séduit. On a conçu Dolaire AI comme une plateforme totalement ouverte avec des connecteurs et qui nous permet de nous interfacer avec les process et les logiciels qui sont utilisés aujourd'hui au quotidien par nos clients. Et là pareil, on ne s'arrête pas là, on va agréger toutes ces données sur tout un tas de sites dans le monde et mettre en place des tableaux de bord pour les dirigeants de la société pour mieux piloter les opérations à l'échelle du groupe. Je crois en cette solution drone, cette solution Dolaire. Le jumeau numérique donc, nous permet de s'orienter en fonction des différentes qualités du gisement. Elle permet également de faciliter la création de pistes et de s'assurer que tout le monde soit en sécurité en les empruntant. Donc tout mon phasage, je le fais uniquement avec le drone. Est-ce que j'ai, oui ou non, le caillou? Si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, il faut que je l'exploite. Pour l'exploiter, un volume ne se fait pas naturellement. On peut avoir l'œil, ouais, il y a à peu près X tonnes. Du coup, je me sers du drone. Donc j'ai directement l'image avec Dolaire. Donc tu vois, je calcule ma surface comme ça. J'ai 1 mètre carré, fois une hauteur, j'ai 1 mètre cube, fois ma densité, j'ai le tonnage. Autant de possibilités, c'est un gain de temps. On a besoin de collaborer sur des visuels qui soient partagés, donc on reboucle avec cette plateforme, qui est vraiment un outil moderne dédié à ça, et c'est toute l'importance de cette digitalisation par le visuel. Ce qu'on a observé avec Cemex, et ce qui est en général la clé du succès de ce type de programme, c'est quand on a la chance de pouvoir parler avec des interlocuteurs qui placent la transformation digitale au cœur de l'amélioration de leur process industriel. Donc, si je devais donner 3 mots pour définir la collaboration entre Cemex France et Dolaire, je dirais agilité, digitalisation et je dirais perspective d'avenir.